balai. Il débat tout ce qui se passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mitumba, Mimop, ton corps forme la touche des valeurs. Anas, Tandon, Caro forme la touche des valeurs. Sans blesser votre sensibilité, ils vont rentrer dans votre intimité. En déballant ce qu'on vit tous les jours dans des comédies bien assaisonnées. Mitumba, Mimop, Tonga forme la troupe des balleurs. Anas, Tandon, Caro forme la troupe des balleurs. Ils sont là pour tout déballer. Ils débattent tout ce qui se passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mitumba, Mimop. Toi maman, laisse, c'est bien, c'est pas un problème. Ouais. Nous sommes dans cette maison, il n'y a pas de problème. Parce que je ne suis pas de l'être. Je vais les montrer dans la maison, ouais. C'est que, ouais, que moi je peux parler dans la maison si. On a tout gardé là, c'est là, il est temps de percer. On va le faire. Ouais. C'est pas possible. Je vais les prouver. Moi, je te dis, il n'y a rien. Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Toi, tu sors d'où? Mais je t'appelle Ediva avec les copines là-dehors. Elle était chez ses choses. Tu me connais, tu fais comme si tu connais. Et je t'ai entendu demander quelque chose. Je t'ai demandé. Il y a quoi? Quelqu'un encore mort? C'est quoi? Il y a eu quoi? Ce sont tes deux mamans qui bagarrent. Bagarrer? À quel âge? Bon, chante-toi. Je vois qu'il faut que qu'on retourne à la maison. Comment ça? J'ai dit qu'il faut qu'on aille chez moi. Comme ça, tu convaincs Mado à venir. À quelle heure, Mitumba? À quelle heure? Tout le monde est déjà là. La cérémonie va bientôt commencer. C'est maintenant que tu demandes qu'on aille à la maison. Il est quelle heure? On va prendre un taxi course. On va vite et on revient. Tu lui as demandé de venir. Elle n'est pas venue. Et tu crois que c'est quand on va aller à deux que ça va changer quoi? Chanta, je sais qu'avec ta présence, ça va l'influencer. Elle va venir. Allons, pardon. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas quand on me malmène comme ça. Moi, je n'aime pas les choses comme ça. Ouais, ne te fâche pas, non. Tu te fâches à quelle heure? Ne te fâche pas. Tu es ma mère quand même. Tu es ma mère. Ta mère, et puis tu dois me malmener n'importe comment. Oh, pardon, ne te fâche pas. Hein? Tu as dit qu'allons vite. Je suis sûr qu'avec ta présence là-bas, elle va revenir ici. Pardon, ne perdons pas de temps. On prend un taxi pour cela, on part bébé. Allons. Mitumba, Mitumba, c'est comment vous allez où? On revient. On arrive, 5 minutes. Je veux que me ça. Maman, c'est comment? Ça va commencer comment pour que la bagarre. N'est-ce pas, c'est la brune femme là qui m'a appelé sorcière? C'est le même type là où je suis sorcière. Dans cette maison, moi, elle dans cette. Là où je mange les gens, moi, elle. Maman, il t'a dit de te calmer. Calme-toi. Arrête, ne se calme pas. Calme-toi. Ne se calme pas. Ouais, mamiton. On vient à peine d'enterrer papa, vous commencez à bagarrer, c'est comment? Hey. Ouais, maman, calme-toi. 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 Qu'elle ne se calme pas. Je vais lui montrer. Ce que le singe mange avant de boire de l'eau dans cette maison. Montrer quoi? Tu vas montrer quoi ici? Mais je dis, hein, c'est-à-dire que c'est pas parce que je ne lève pas le ton dans cette maison, c'est parce que j'ai l'habitude de mettre la paix. Alors, si je lève, si je m'énerve ici, si je m'énerve ici, je vous découper avec la machette, hein. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Vous avez compris, non? Vous avez compris? D'accord. Tu le calmes, là. Quoi? Le calmes. Maman, je vais faire couler le sang ici, hein. Je vais faire couler le sang ici, hein. Énerve-toi, énerve-toi. Tu te chauffes là. D'accord. Énerve-toi. Je vais blesser quelqu'un ici. Tente de tenter ce que tu veux tenter là. Je vais te dire pourquoi les sages n'ont pas de tête. Pourquoi tu mets le. Ouais, maman, tu il faut te calmer. Il faut aussi te calmer. On te demande de te calmer, tu te calmes pas comment. Papa vient de mourir. Je te mets pourquoi? Tu me donnes les conseils en tant que qui? Ils sont venus ramasser, emporter les enfants, hein. Tu me donnes les conseils en tant que qui? C'est pas parce que mon mari est mort.
moi dans cette maison, vous avez menti de n'importe quoi, hein. Détrompez-vous. Comment? Tu sais ce que tu veux aussi me parler? Tu sais à quoi tu ressens? Toi, tu ressembles à quoi? Hein? Ta maman et toi, là, vous êtes différentes. Que je te le dise. Sache que l'enfant du serpent, c'est le serpent. Tu as bien compris? Merci beaucoup. Macabo. C'est quoi ça? Comment? C'est comme les choses, oh. Tu veux passer dessus par de leur village? Le mariage, c'est comme mon père m'a même forcé, là. Je vais les montrer. Ah! Je vais vous prouver dans cette maison qui suis-je, mamie Tom. La fête, si la commence à traîner comme ça, là, qu'est-ce qui ne va pas nous dire? Et mon ami ne me dit même pas. Ça, ces choses-ci, là. Tomba, c'est comment? Je demande que tu ne veux pas ici. Mais je fais quoi ici comment? Je suis à la doute, non? À la doute? Tu es venu derrière qui? Ah, je suis venu derrière Mintumba. Tu le connais où, Bimop? Ntonga, je te rappelle que Mintumba, c'est mon ami de longue date. Lui, on se connaît depuis. On ne me demande pas où je le connais. Et Wanda Food. Est-ce que c'est que la fille qu'on vient de te là oui. est ma sœur? Tu leur laisses comme ça. Moi-même, je ne le savais pas. Hein. C'est tout à l'heure là que j'ai su que c'est ta sœur. Tu sais, Mintumba ne me l'avait jamais présenté. Bon, il m'a juste dit qu'il voulait prendre une deuxième femme. Et comme c'est mon ami, je ne pouvais pas manquer à la dot. C'est pour ça que je suis là. Et je viens aussi de découvrir cela. Donc, ton ami prend la petite sœur. Et toi, tu viens prendre la grande sœur. Ah, car toi aussi. Est-ce qu'il y a un problème à cela, Ntonga? Lui, au moins, c'est un. Je sens un monsieur sérieux. Il vient d'y adopter. Mais toi, Bimo, tu ne penses même pas à ça. Ah, Ntonga, dis donc, laisse ça. L'endroit n'est pas indiqué pour parler de ça, dis donc. Cela maintenant dit que l'endroit n'est pas indiqué pour parler de ça, dis donc. Quand nous sommes chez toi, tu dis quoi? Écoute, Ntonga. Ma chérie Coco, calme-toi, dis donc. Arrête, évite d'être nerveuse. Tu sais que c'est même pas bon pour l'état du bébé. Hein? Faut pas être trop tendu là. Et en plus, s'il te plaît. Attends, écoute. Faut que nous soyons détendus pour que la dot se passe bien. Calme-toi. Pardon. Arrête avec tes bêtises que tu racontes là. Les gens sont déjà là. Je ne sais pas ce que tu fais là dehors. Non, j'attends Mintumba. Il est sorti là. Il attends-le. Revient. Les femmes, elles ont toujours des problèmes à tout. Vraiment. Mais c'est toi qu'on attend depuis. À la donne, tu n'es pas au courant. Tata m'a déjà dit qu'il ne part pas à la dot là depuis. On m'attend pourquoi? Ouais, Mando. Toute la famille est déjà rassemblée là-bas. Ce n'est plus que toi qu'on attend. Tu ne vas quand même pas plaquer toute une famille comme ça. J'avais déjà dit à Mintumba que je ne partais pas là-bas. Et si c'est moi qui les ai réunis? À moi, on ne voit pas pourquoi on m'attend. Moi, je ne pars pas là-bas. Madou, c'est moi qui suis venue te chercher. C'est pas Mintumba. Pardon, maman, lève-toi, tu t'habilles. On va faire le pour moi, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. Tata, moi, il te respecte beaucoup. Tu ne m'as jamais dit quelque chose, j'ai désobéi. Mais elle a dit que je ne peux pas partir à la dot, là, franchement. Demande-moi autre chose, mais pas ça, là. Je ne peux pas partir. C'est pas ton mari qui te parle, c'est moi. À mon nom, s'il te plaît, habille-toi en bas. S'il te plaît, je t'en prie. Tata, il ne peut pas partir. Même si c'était toi à ma place, on ne peut pas. Ton mari ne peut pas te demander qu'il va épouser une autre femme, il te demande de partir, tu pars. Mets-toi un peu à ma place. Moi, je ne peux pas partir. J'ai dit ça à Mintumba. Tu vas partir.
Tu vas partir. Tu vas. Mais c'est même quoi? Tu vas partir. On te supplie même quand tu dis rien. Hop, ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Ça, c'est même quoi? C'est quoi? C'est même quoi? Je ne parle pas. Ma chacha, c'est quoi? On la supplie même, elle ne veut pas partir. Ah, laisse. Viens pas. Viens pas. Attends. C'est-à-dire, attends. Je vais te marcher comme ça. Mets dans une boîte de coffre. Attends-moi. Je suis bonne. Que acheter des corps, c'est comment? Ces gens, ils nous ont tourné, c'est comment? Depuis, on attend. Ils vont venir à quelle heure? Moi, je sais pas. Si ça ne va pas, on laisse tomber cette histoire. Peut-être qu'ils ne prennent pas ça au sérieux. C'est que s'il n'a pas les moyens de venir, il n'a qu'à rester chez lui que de nous traquer comme ça. Bonsoir. On s'impatientait déjà là. Qu'est-ce qui s'est passé encore? On a trop attendu. Maman, vous nous voyez bouleversés comme ça, c'est parce que ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure, je vous ai dit que ma première femme Mado allait venir. On l'a attendue ici fatiguée. Nous, on était obligés de retourner à la maison la chercher. Mais on est arrivé à la maison. Il se trouve que sa maman a fait un accident très grave. Elle dit. Donc, elle est allée à l'hôpital lui porter secours. Donc, elle ne peut pas être là. L'accident, là, n'attendait que ce jour-ci. Vraiment, je ne comprends. Tu dis que c'est... Et c'est sa maman. Donc, elle est son unique, elle est comme ça, l'unique fille. Donc, elle ne peut pas venir ici. Il faut qu'elle aille porter secours à sa maman à l'hôpital. Vraiment, là, je suis dépassé. Hey. Ok, dans ce cas, on est obligé de reporter. Hein. On va renvoyer la boucle. Il ne peut rien. Mais il n'y a pas une autre procédure. C'est pas possible. Vous savez, c'est la tradition, on ne peut pas la contourner. Il faut que la première femme soit obligatoirement là. Ouais. On va faire comment? On va faire quoi? On ne peut rien. L'objet de... On va reporter. Non, mais... Et tout ce qu'on a déjà dépensé, on va faire comment? Ouais. Bon, le père, nous sommes venus ici aujourd'hui. C'était pour faire la dot et rentrer avec notre femme aujourd'hui même. Puisque cette situation se présente, je propose qu'on fasse la dot. On laisse la femme ici, on ne rentre pas avec elle. Comme ça, quand sa coupe sera là, elle-même viendra la chercher ici. Parce que si on renvoie, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va faire. C'est vrai. C'est bien réfléchi. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais... Ne compliquons pas. Après la dot, si la première femme là ne vient pas, notre fille ne bouge pas de la maison. Non, elle va venir. Elle sera là. Mm-hmm. Dès que la dot finit là, le lendemain, dès qu'elle rentre de l'hôpital, elle vient chercher sa coépouse. Elle viendra, si on ne se gêne pas pour ça. Mm-hmm. Ouais. Entrons dedans, ça et va. Essayons voir. Oui, c'est résolu. Cher monsieur, mesdames, chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Les étrangers sont entrés chez nous. Nous les avons fait asseoir. Il faut qu'ils nous disent l'objet de leur visite dans notre maison. Vous avez la parole. Famille. Oui. Famille. Bonjour. Famille. Bonjour. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis chez vous.
et vous donner des places confortables pour nous asseoir. Si nous sommes entrés chez vous ce soir, c'est parce qu'à notre passage, nous avons lancé un coup d'œil de revenant. Un gros régime. Et la famine était en train de nous ronger. C'est pour cette raison que nous sommes entrés pour vous supplier. Si vous pouvez nous donner une main qui puisse ravitailler notre ventre. Un régime de plantain, vous déplacez toute une masse. Lorsque j'ai, je partage. Oh. Je vais aller chercher du plantain derrière. Merci mon frère. Mais vraiment, quand vous me donnez une main de plantain cru comme ça, qui va préparer pour moi? Si vous pouvez me donner une de vos filles qui puisse m'aider à préparer cela, ça me ferait du bien. Je veux bien t'aider. Je ne crois pas que dans cette maison, il y a une fille qui s'est déjà préparée. Je crois qu'il n'y a pas une fille qui s'est préparée dans cette maison. C'est toujours Massima qui continue à préparer ici. C'est vrai. Mon frère, j'ai vu une fille ici dans votre maison qui a les beaux doigts qui peuvent éplucher ce plantain très bien et le préparer très bien. Je ne sais pas de quelle fille vous parlez. Vous la connaissez bien. Ah, Sabré, je la connais très bien. On se connaît bien. Et elle me connaît aussi bien. Ok. Ok. Bon, fais défiler toutes les filles qui vivent dans cette maison. Ok. Ils vont faire leur choix. Allô. Macha, lève un peu. C'est pas elle. Non, ah, tu as raison. Parce qu'on peut pas comme ça, on fait tout, hein. Non, ouais, ouais. C'est pas elle. Ça, c'est dis-moi ce que tu veux. Tu m'as mis. C'est là, comment? Explique-moi bien. Il y a une fille ici. Elle est comment? C'est pour elle que nous sommes là. Elle est comment? Elle est petite de taille. Elle est brune, sexy. C'est ça. Ok, ok, je pense bien. Celle que tu dis qu'elle est brune, elle est sexy. Elle est pas ici, présentement. Elle est loin à Paris. Et il faut l'avion pour que j'aille à Paris. Le problème, c'est l'avion. Oui, c'est le transport. C'est un problème. On va s'occuper. Nous faisons venir tout ça. Et on va rentrer avec elle. Ok. Il n'y a pas de problème. Si c'est pour les moyens, tu comprends la mer. Même si c'est pour le bateau, même le jet privé, on s'est préparé. Moi, je suis là. Il y a. C'est pas ça qui manque. Donc, voilà la maison même qui arrive. Tu prends l'avion, cours. D'accord. Allez, retour. Nous sommes là. Voilà. D'accord.
Comment? T'es prêt? Ngri manjo. Je me déplace pas pour rien, hein. Nkapia. Comment? On se gangre. Fais chier là. C'est pénible, hein, vraiment. Le carburant est fini. Hein? Il y a eu panne. Il y a eu panne. Oui. Je suis vraiment excité. Je souffre beaucoup. C'est pourquoi même comme ça. Non, mais la mère, il y a eu panne. Tu as fait comment pour moi? Mais il y a le parachute. Tu racontes quoi? C'est un mère. On a le mécanicien. On va dépanner. Il y a l'argent. Monsieur, tu es trop fatigué. Non, de toutes les façons. L'argent peut être. Ça m'a même donné les nerfs. De toute façon, nous avons tout prévu. C'est ma soeur. Je ne me suis pas déplacée pour rien. Je veux que tu m'amènes la femme. C'est la femme que je veux. C'est pas moi qui l'ai fait. T'en as le carburant. Même si c'est 100 litres, achète, amène-moi la femme. Ah, ok. Pour toutes les personnes, pour toutes les dispositions, pour cette affaire, c'est ta petite fille. Je ne sais pas si c'est pour toi-même ou si c'est pour quelqu'un d'autre. Quoi, Assoum? Quoi, Assoum? Quoi, Assoum? Hey. Mon frère, si je suis entré dans votre maison, c'est pour mon fils. Il est où? Il est où? Il est là. Viens ici, viens t'asseoir ici. C'est toi ici. Passe derrière. Avec la veste, c'est toi. Ils sont là pour tout déballer. Ils débattent tout ce qui se passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mitumba, Mifop, ton corps forme la touffe des valeurs. Anas, Tandon, Caro forme la touffe des valeurs. Sans blesser votre sensibilité, ils vont rentrer dans votre intimité en déballant ce qu'on vit tous les jours. Dans des comédies bien assaisonnées. Mitumba, Mifop, Tonga forme la troupe des balleurs. Anas, Tandon, Caro forme la troupe des balleurs. Ils sont là pour tout déballer. Ils débattent tout ce qui se passe autour de nous. Côté cou et côté jardin.